Il faut sortir de l'illusion de ce que l'on croit que la vie est. La vie est yin et yang. Le problème, c'est que nous, on commence à cultiver, on fait du développement personnel, on applique des choses, puis on commence à « Ah, la vie devrait être belle », puis là, on en veut à toutes ceux et celles qui ne pensent pas comme nous. À chaque fois que tu juges et que tu critiques quelqu'un, tu joues dans son équipe. J'ai fait une formation dernièrement avec Mère Teresa et elle disait « Je ne milite pas contre la guerre, je milite pour la paix ». Parce que si tu es toujours avec ta pancarte, en train de te débattre, frustration, colère, révolte, envie, tout ça, c'est des basses fréquences. Et quand tu es là-dedans, tu es dans une énergie de révolte, tu pousses ton énergie dans le camp que tu ne veux pas. Quand tu rouspètes sur quelque chose tout le temps, tu prends ton énergie vitale puis tu la mets là, tout le temps. Demandez-la à plusieurs et vous l'aurez. Croyez-moi qu'on est là-dedans. Croyez-moi qu'il y a des gouvernements qui comprennent ça. Croyez-moi que le marketing comprenne ça. Faites réagir les gens, vous aurez leur attention. C'est à quoi tu portes ton attention, prends de l'expansion.